Il bosse toujours dans cette baraque? Ouais, c'est un cauchemar. Personne n'y est venu depuis des années. On fait une fête? Pas question. Pourquoi? Y a pas de flics, pas de voisins, c'est parfait. J'ai dit non. Et que la fête commence, les mecs! Mais avant ici, c'était pas un truc pour les idiots? C'était un hôpital psychiatrique. Mais putain! Oh, putain! Un problème, Noé. Si vous pouviez apporter aussi un petit peu d'eau bénite? Rory? Y a pas de dieu, y a pas de diable, rien que des idiots comme vous qui croient tout ce qu'on leur dit, et c'est... C'est comme ça, quand on est possédé, on lui enfonce un pieu dans le cœur. Mais c'est pas notre vertu, pauvre taré. On doit faire un exorcisme, petit trou du cul. Un putain d'exorcisme. Attends, t'es sérieux, là? Oui, j'ai trouvé un site pour le faire soi-même. Tu sais que c'est un truc de dingue. Ça a foiré parce qu'il y avait ta bave dans l'eau bénite, pauvre tarin. C'est le rite le plus sacré de toute l'histoire de l'humanité. Et on a fait n'importe quoi, bande d'abrutis. Ça a pas marché parce qu'on a piqué ça sur un site de merde. J'ai failli me faire tuer par un putain d'abruti. On s'est amusé à faire un exorcisme et je viens juste de me faire défoncer le ventre par une tarée de petite pute. À part ça, je vais bien. Super fête, m'éclate. On recommence la semaine prochaine. Ça, c'est le signe d'un démon.